صباح الخير مجددا لكل الاشخاص اللي انضموا لنا لهلا. بنوعدكم اليوم انا وزميلي إلي حوشان بفقرات وضيوف منوعين من هلا ولغايه الساعه 11:30، وبيصيرنا كثير نستضيف بالفقره التاليه ببرنامجنا فرانسوا شاباليون، مدير او رئيس جروب الجالري بلير فاين ارت. بونجور. بونجور. Vous êtes le bienvenu à يوم جديد. Merci beaucoup. Vous êtes là pour parler de l'exposition qui. Nous sommes très, très contents que vous êtes là au Liban. L'exposition qui va nous introduire deux artistes français qui sont très, très, très importants, spécialement dans le pop art. C'est vrai. Ce sont deux artistes français. L'un est installé aux États-Unis, l'autre vit et travaille à Paris. Et ce sont deux artistes importants dans ce mouvement qui s'appelle le pop art, qui a, depuis les années 60, qui a vraiment eu une influence considérable, pas simplement dans l'art ou dans l'art contemporain, mais dans notre vie de tous les jours, dans la publicité, dans le cinéma. Nous sommes tous entourés d'icônes. Les icônes aujourd'hui, comme Warhol nous l'a fait connaître, les icônes aujourd'hui sont partout, elles nous nourrissent, que ce soit les icônes du cinéma, les icônes dans les dessins animés, les icônes qui sont devenues aujourd'hui des stars de la mode, par exemple. Nous sommes nourris de tout cela. Et les artistes aujourd'hui, depuis les années 80, 90, et toute cette jeune génération, aujourd'hui, continue le travail d'Andy Warhol. Je vais traduire aux téléspectateurs. Volontiers. Lakin am bi'oul akid François an hal exposition yalli bzakir kel el mouchahedin yalli am tabouna hiya bis Saifi Village rah tkoun balachet bi 9 juillet yani اول امبارح صار لها يومين ومستمره لغايه 19 جويليه، يعني من 9 ل 19 جويليه فيكم تزوروا بالصيفي فيلج هيدي الاكسبوزيسيون من الساعه 2 للساعه 9 بالليل. رح تكونوا على موعد مع فنانين، وكان عم بقلنا باتريك قديش البوب ارت وبالتحديد مستر برين واش وباتريك روبنشتاين هول الفنانين يلي هن فرنساويين الاصل، ولكن مستر برين واش عايش و كبر بأمريكا، أما باتريك روبنشتاين فهو عايش بفرنسا. كتير تأثروا بالبوب آرت اللي انطلق بال 1960، وكمان كان عم بخبر باتريك قديش البوب آرت مش بس بالرسم أثرت على حياتنا، على يعني حتى الديكور ببيوتنا، على كتير أشياء مع أندي وورهول أكيد بالبداية اللي بلش فيها لهيدا خليني اقول النفحه البوب ارتيه. وراح تشوفوا اكثر وتتعرفوا بالصيفي فيليج على مستر برين واش وباتريك روبنشتاين يلي راح يكونوا عم بيعرضوا هاللوحات اللي بتاخذ العقل، وفي تكنيك كثير جديد وكثير حلوين راح نحكي هلا معه. الوغ vous avez un peu risqué, vous croyez que malgré tout tout ce qui se passe au Liban spécialement et dans la région en général, de ne pas arrêter votre programme, votre rêve de présenter ces deux artistes au Liban. Ça ne m'a même pas effleuré. Je crois que je viens au Liban depuis des années, j'ai déjà organisé des expositions et je crois que moi qui viens de l'extérieur, je suis extrêmement admiratif de ce que les Libanais, eux, vivent tous les jours. Les Libanais vivent, sortent. C'est vrai qu'il y a quelquefois une situation qui est un petit peu compliquée, beaucoup de pression. Mais au contraire, je crois que j'amène aujourd'hui un souffle culturel et artistique avec deux artistes qui n'ont jamais été présentés. On a eu énormément de visites à l'exposition. L'exposition dure jusqu'à encore. Jusqu'à présent, ça fait deux jours, mais voilà. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites. On a eu un vernissage avec plus de 200 personnes. Très on bien. A aujourd'hui, donc les gens sortent, les gens visitent. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'art, nous sommes dans un domaine un petit peu à part. Il se passe aujourd'hui un peu pacifique, oui. Qu'on a besoin. Bien sûr. Liban, le nom de l'expo, c'est Life is Beautiful. C'est vrai. Exactement. Que ces deux artistes nous donnent à voir avec les icônes. On va voir quelques images tout à l'heure. Ils nous donnent à voir
un art extrêmement coloré, extrêmement positif. C'est une vision de la vie qui est en même temps décalée, mais c'est une vision de la vie qui réjouit l'âme. Et je pense qu'on a, on a besoin de ça. Donc je ne me suis pas posé de questions. Alors, كان عم بقلي لكن فرانسوا إنه ما خطرت له حتى الفكرة بالعكس هو كتير متأثر كيف اللبنانية عندهم هالبوزيتيفيتي هالحماس هالإيجابية وقديش كمان بالفن أو بهذا الإكسبوزيسيون أو بهذا المعرض يلي حملوا معه ومع هول الفنانين بيعتقد إنه نحن كتير بحاجة لهذا الموضوع لأنه الألوان اللي رح نشوفها فيها كتير بوزيتيفيتي في كتير كولور في كتير حياة باللوحات ورح نشوف هلأ سوا اللوحات ونعلق عليهم مع فرانسوا هون عم نشوف صور أكيد من C'est le vernissage qui était... Voilà, c'est le, c'est le vernissage a démarré le 9. Qui a eu lieu mercredi soir. Les lieux où nous exposons à Saifi Village sont deux espaces qui sont en plus extrêmement agréables. Vous voyez, on reconnaît, Kate Moss. Ah, Kate Moss, j'ai cru que c'est Brigitte Bardot. Alors, elle la ressemble, oui. Ouais, exactement, bien sûr. Einstein. Vous voyez, toutes ces icônes, Charlie Chaplin. Alors ça, c'est un travail qui est assez extraordinaire puisque c'est un portrait qui est fait avec des vinyles, avec les vieux disques 78 tours qui ont été cassés et qui ont été recomposés pour faire ce portrait de Jimi Hendrix. Il faut savoir Jimi que... Jimi Hendrix aussi est l'icône... Évidemment du rock et de la pop des années 70. Charlie Chaplin. Voilà, on retrouve Kate Moss. Kate Moss vous voyez nouveau. Cette utilisation des icônes et cette grande sculpture qui est... un peu le motto de l'artiste Breno, life is beautiful. Il faut que cette sculpture reste au Liban maintenant. Alors l'autre artiste, regardez, un travail Patrick qui mélange le pop et l'art cinétique, le optical art. Vous voyez, selon la position du spectateur, devant une œuvre, on a plusieurs tableaux différents qui se mélangent. Alors c'est une technique une technique unique, magique, c'est absolument le mot, puisque c'est la première fois aussi dans l'histoire de l'art où effectivement le spectateur peut, selon la position où il se met devant le tableau, avoir une impression différente. Regardez, vous voyez, on a plusieurs tableaux qui se chevauchent. L'artiste travaille dans l'esprit des très grands artistes cinétiques. Et bien entendu, là aussi, comme Mr. Brainwash, on retrouve les icônes du pop art. C'est pour ça que ces deux artistes sont, vous voyez, Brigitte Bardot, on a vu Ray Charles, on a vu Michael Jackson. C'est très beau, vraiment. Merci beaucoup. C'est très beau et nous sommes très contents que vous avez vraiment risqué. Est venu pour nous introduire ces deux artistes. Quelle était leur réaction après le vernissage, après avoir rencontré les Libanais, le public libanais en... Alors, il faut savoir que aujourd'hui, les Libanais sont très enthousiastes. Évidemment, j'ai 7 galeries en France, en Suisse, en Italie, donc je rencontre évidemment énormément de Libanais. Les Libanais sont très amateurs d'art, très enthousiastes, et il faut, je leur rends aussi hommage, parce que c'est eux qui m'ont dit, François, il faut que tu viennes au Liban, il faut que tu amènes des nouveaux artistes. Nous avons envie de voir des nouvelles choses, nous sommes ouverts sur d'autres cultures, nous sommes ouverts sur les cultures de l'Occident, nous sommes ouverts sur les cultures de l'Orient, viens nous montrer des choses. Et vraiment, je voudrais rendre hommage à mes collectionneurs et mes amateurs passionnés, parce que c'est aussi grâce à eux. Quant aux artistes, vous savez, on a affaire aujourd'hui avec ces deux artistes à des artistes qui sont de renommée internationale. Mr. Brainwash, par exemple, lors de ses expositions aux États-Unis ou la dernière exposition à Londres, il y a entre 3 et 4 000 personnes qui font la queue pour voir ses expositions. C'est un artiste qui fait beaucoup de performances. Il tague des murs entiers. Lui, Mr. Brainwash, travaille avec les icônes du pop, mais qu'il travaille dans un esprit street art. C'est un artiste qui a travaillé aussi dans la rue et qui a fréquenté les plus grands artistes street art. Parce qu'il a vécu son adolescence. Il vit à Los Angeles. Il a fréquenté Banksy.
C'est un peu un des protégés aussi de Banksy, avec qui il garde une connexion. Banksy a fait un film aussi sur lui. Et aujourd'hui, c'est un artiste qui a vraiment affirmé sa personnalité, qui expose dans le monde entier. Patrick Rubinstein est un artiste plus jeune, qui lui n'a explosé que depuis 4 ou 5 ans. Mais ces deux artistes, dans la lignée du pop art, ont chacun affirmé une personnalité forte, et ils sont évidemment ravis de pouvoir être exposés. Alors, en avant-première au Liban. لكن وي لكن مشاهدينا كان عم بيقول فرانسوا بعد ما شفنا كمان الصور واللوحات يلي فرجونا الاختلاف كمان مش بس الاشياء ان كومان او اللي بتجمع مستر برين واش وباتريك روينشتاين مع مستر برين واش شفنا البوب ارت باشكال كثير جديده كثير متنوعه مع باتريك روينشتاين شفنا الاليوزيون او الخدع الاوبتيك اللي بتخلينا اذا كنا واقفين بمحل نقدر نشوف كمان اللوحه بشكل مختلف اكيد برجع بدعي من جديد المعرض مستمر من 9 جويلية يعني من يومين لغاية 19 من الساعة 2 بعد الظهر للساعة 9 نزلوا خدوا ولادكم خليهم يتعرضوا لهالفن الحلو يلي كنت عم بسأل فرانسوا عنه قديش مهم عن جد انه خاطر واجا على لبنان وكان عم بقلي كمان قديش مستر برين واش وباتريك كمان مبسوطين انه اجوا على لبنان وكانت ردود الفعل غريبه لانه كمان ليزاماتور ليباني او الكوليكسيونور اللي بيتذوقوا الفن اللبناني هن شجعوه لفرانسوا ليجي على لبنان ومع كل هالانكورجمنت كان كثير مهم انه يجي على لبنان ويخليهم للبنانيه اللي هن منفتحين ودائما بيطالبوا كانوا فرانسوا بانه مع كل المعارض اللي عنده اياها برا بفرنسا انه يجي كمان على لبنان ويعرفهم على نجوم بعالم الرسم وكان عم بقول لك كمان قديش مستر برين واش يعني بكل العروض اللي بيقوم فيها ان كان بامريكا ان كان بلندن كمان مؤخرا قديش كان في يعني كو او نطره يمكن شي 2000 3000 شخص لحتى يفوتوا ويشوفوا لوحاته خصوصا انه كمان بيشتغل ميورلز وستريت ارت مش بس كمان بوب ارت وباتريك روبنشتاين مع انه بعده جان وصغير بس كمان عنده طبعته الخاصه بفرنسا وبالعالم ونحن كثير كمان مبسوطين وبرجع بعزمكم مشاهدينا لغايه 19 جويليه من التنتين للساعه 9 بالليل فيكم تنزلوا على سيفي فيليج وتشوفوا المعرض المميز. J'ai remarqué que malgré le pop art qui est en commun entre Mr. Brainwash et Patrick, qu'il y a encore une grande différence entre les deux artistes. Oui. Parlez-nous un peu des choses en commun, des différences entre les deux artistes. Chacun s'exprime avec des techniques différentes et chacun s'exprime dans un style différent. Le pop art, il existe le pop art générique, c'est les années 60-70, Andy Warhol et tous les artistes. Ensuite, là, nous sommes avec des artistes dans un mouvement qui continue l'histoire. L'histoire de l'art, elle est en perpétuelle évolution. Chaque artiste amène sa pierre. Aujourd'hui, nous sommes dans le post-pop art. Et dans le post-pop art, les artistes mélangent un peu les styles. Et aujourd'hui, c'est tout à fait remarquable que d'avoir ce mélange de pop art et de street art, et de l'autre côté, ce mélange de pop art et de cinétique, d'art cinétique ou de optical art. Et encore une fois, ces grands mouvements de la fin du siècle dernier nous sont familiers. Le optical art, on a tous aussi vu, on a déjà vu ces jeux comme ça d'optique. Vous disiez tout à l'heure que c'est un peu magique, c'est cela. Et les artistes s'approprient ces techniques et nous les redonnent avec leur propre personnalité. Et c'est ça qui fait que ces artistes sont aujourd'hui importants. C'est qu'ils amènent quelque chose de nouveau dans l'art contemporain. Ils écrivent une page d'histoire. Et je vais même plus loin. L'art est un langage universel. Et pour nous, qui sommes aujourd'hui un des groupes de galeries d'art les plus importants en Europe, c'est une évidence qu'il faut aussi aller dans d'autres pays. Et oui. Sachez que
le fait d'être au Liban, les premiers jours, bien sûr, je suis très occupé, mais la semaine prochaine, je vais aller visiter aussi toutes les expos des artistes libanais et moyen-orientaux. La scène libanaise est très riche. C'est un échange aujourd'hui. J'amène des artistes Qu'est-ce qui est important avec cet échange culturel peinture spécialement? Écoutez, allez voir une exposition d'artistes libanais ou d'artistes du Moyen-Orient. Vous avez une scène artistique à Beyrouth qui est très riche. Vous allez bientôt, vous avez deux foires d'art contemporain. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, sans parler des choses politiques, mais sur la scène culturelle et artistique, c'est très riche. Les artistes continuent de s'exprimer. Les artistes expriment à travers leur œuvre, à travers leur peinture et leur sculpture. D'ailleurs, les artistes syriens qui sont il faut aller voir. Bien sûr, partout dans le monde arabe, ils s'expriment. Bien trop, sûr, j'ai envie d'aller très voir actifs ça. Bien sûr, les choses vont dans les deux sens. C'est une rencontre, c'est-à-dire que j'invite aujourd'hui, en organisant une exposition, les Libanais à venir voir une forme de culture, mais cette culture n'a pas la vérité. De mon côté, je vais aussi aller me nourrir d'une autre culture. Vous croyez que c'est personnel, que c'est subjectif? Alors, mais c'est... C'est plus subjectif que... Mais je crois que l'art en Europe, par exemple. Mais je crois que l'art est vraiment... On l'a vu, par exemple, avec l'art chinois et cette explosion de l'art chinois au moment, effectivement, de l'ouverture vers l'Occident, quand on a pu accéder aux artistes chinois. Les artistes chinois qui ont aujourd'hui fait les plus grands records en salle des ventes sont des artistes qui, sous une dictature, dans un régime très fermé, ils continuaient à créer et c'est vraiment leur âme et leur ressenti qu'ils ont mis sur les œuvres. Ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'un artiste, c'est un peu comme un aimant. Il prend des choses comme ça et il a ce don de le restituer avec un tableau, avec une sculpture. Et je crois qu'une forme de vérité est là. Moi, je visite souvent les musées, je voyage dans le monde entier, évidemment. J'organise des expos dans le monde entier. Mais il est primordial pour moi d'aller voir aussi et visiter les expositions des artistes locaux. La vraie vérité, peut-être, la vraie âme d'un pays et d'une civilisation, il est là. Alors, je vais traduire. Merci. De nouveau. مشاهدينا كمان كنت عم بسأل فرانسوا عن أهمية هالتبادل الكلتوري الثقافي وكان عم بيقول لي إنه قديش مهم لأنه كل بلد بتعكس من خلال فنها حضارتها وأكيد كل الأشياء اللي عم بتعيشها. سألته كمان عن الأشياء اللي بتجمع الفنانين مستر برينواش وباتريك روبينشتاين. قديش في أشياء بتجمعهم اللي هي البوب آرت بس كمان كيف كل واحد فيهم بيعكس طريقة رسمه بشكل مختلف. حكينا عن قديش في ماجي وفي سحر بالأوبتيكال آرت أو الفن اللي البصري خليني أقول وقديش كمان يعني كل هالتبادل الثقافي وأهمية يعني زيارة هالفنانين وغيرهم من الفنانين يلي من خلال أهم يعني الجروب الجاليري تبعوه فرانسوا من أهم الجاليريات بكل أوروبا وقديش فعلاً هالتبادل الثقافي مهم كتير وصحيح أنه كان عم بقلي فرانسوا أنه هالسنة كتير هالجمعة عفواً مع تقليعة الفيرنيساج تبع الإكسبوزيسيون هيدا بس الجمعة الجاي رح يكون فاضي ليروح يزور أكتر الأرتيست اللبنانية والعرب اللي موجودين هون بلبنان رح يعمل برمي وجولة قديش مهم هيدا الثقافة حكينا كمان عن الفنانين اللي جايين من الصين وقديش بالصين رغم الديكتاتورية يلي عايشينها كمان هلأ عم يعملوا ريكوردز ببيع اللوحات تبعوا لهم الفنانين الصينية لأنه مع كل هالفريستراسيون يلي عايشينها أو الديكتاتورية يلي عايشينها عم يقدروا يفجروا كل هالمواهب عم يقدروا يكونوا يعني عم بكسروا كل الريكوردز بالفونت للوحات تبعيتهم قديش مهم هيدا الحضارة لأنه يمكن أو هيدا الفن لأنه بتعكس حضارة كل الشعوب
وعندهم يعني هول الفنانين عن جد دون او شو بيقولوا دون يا جوزيف بالعربي موهبه لحتى يبينوا كل الاشياء اللي عم بيعيشوها بالبانسو تبعهم او بالريشه تبعيتهم اكيد. Vous êtes le bienvenu de nouveau. Merci beaucoup. Et nous sommes très contents d'avoir parlé avec vous de cette exposition, de l'art en général. Un dernier mot que vous aimeriez dire aux téléspectateurs maintenant? Écoutez, je suis également ravi d'être de retour au Liban. C'est un peu comme ma deuxième maison. Je me suis immédiatement senti bien au Liban. Organiser des expositions, je ne vais pas arrêter d'en faire. Je vais revenir au Liban, sûrement à l'automne. Et tout ce que je peux dire, c'est une exposition, elle vit avec le spectateur. Organiser des tableaux, mettre des tableaux au mur, c'est une chose. Voilà, moi j'ai fait mon travail, j'ai mis les choses en scène. Maintenant, une exposition, elle vit avec le regard du spectateur. Il faut venir visiter cette expo, il faut visiter les autres expos, il faut aller faire vivre les galeries, il faut aller se nourrir de tout cela. Je crois que ça, c'est très important. Merci pour votre invitation. Merci pour vous. لكن كان عم بيختم اكيد مع الكلمه الاخيره لإله فرانسوا شابليون رئيس جروب جالري بلير فاين ارت. كان عم بيقول لي انه صحيح هو اورجانيزاتور وبعلق اللوحات يمكن بقلب الجالري، بس كثير مهم لحتى كل هالفن يعيش ويكفي انه نحن نزور كمان هالمعرض. بدي اذكركم مشاهدينا، المعرض مستمر لحد 19 جويليه ل 19 تموز، لكن من الساعة 2 للساعة 9 فيكم تزوروا هالمعرض بالسيفي فيليج ببيروت. كونوا كتار وأنا رح ودعكم هلأ لحتى تستقبلوا مع إلي حوشان زميلي ضيفه بالفقرة التالية، مش عم نتابع بقى لقاءاتنا. خليكم معنا من هلأ لغاية الساعة 11:30.